Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h30. J'ai censé. Cyril Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Vous l'avez entendu, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui en studio et quel bonheur de vous retrouver cette année, désormais du lundi au jeudi, de 15h à 16h30. C'est dire si vous m'aviez manqué pour cette rentrée alors, un hommage. Il était un peu de notre famille à tous, comme un père, un frère, un cousin, quelqu'un que l'on connaissait bien. Nous l'avions reçu il y a 6 mois et comme il était évidemment impossible de reprendre le micro sans parler de lui, nous ferons un sourire à Daniel Lévy, parti trop tôt le 6 août dernier. C'était son anniversaire il y a 3 jours. Il aurait eu 61 ans. D'ailleurs, une partie de la troupe des 10 commandements lui a consacré un concert ce jour-là. Nous parlerons de lui alors aujourd'hui en studio avec Ginny Lynn, Pablo Villafranca et Ahmed Mouissi. Et peut-être avec vous, rejoignez-nous. Vous pouvez le faire en nous appelant au 01 53 75 26 26. 01 53 75 26 26. Et tapez un toujours, bien sûr, en direct, en Facebook Live sur radioj.fr et sur Radio J. 15h-16h30, Cyril Sarah Cohen. Radio J. Ginny Lynn, Pablo Villafranca, Ahmed Mouissi avec nous par téléphone aujourd'hui. Bonjour à tous les trois. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Ahmed, est-ce que vous nous entendez bien? Merci beaucoup d'être avec nous. Merci mille fois d'être avec nous. Alors vous deviez être en studio aujourd'hui, mais la route est importante. Vous êtes parti avec un petit peu de retard et merci encore en tout cas de faire l'effort d'être avec nous par téléphone. Et puis la route c'est important, donc il faut faire attention. Merci. Exactement. Ahmed. Merci mille fois. Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute, donc voilà, tout va bien. Eh bien on est rassurés. Merci mille fois d'être mes invités aujourd'hui sur Radio J pour un moment d'hommage à Daniel Lévy. On va le faire avec le sourire, parce que c'était quelqu'un de drôle, de souriant. On se le disait en off. Et dans cette émission, on l'a reçu. C'était le 28 février dernier. C'était un blagueur, Daniel Lévy. D'abord, on va commencer par ça. Ginny. Très blagueur. Très, très blagueur. C'était le premier à rire des conneries des autres, en fait. Et il avait toujours une blague ou deux. En fait, ça débitait tout le temps avec lui, tout le temps. Il avait énormément de répartie. Ouais. Il avait la répartie, il aimait sourire, il aimait rire, c'était un moqueur. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, même si c'est difficile de ne pas le savoir, il faut rappeler les choses. Il nous a quittés le 6 août dernier d'un cancer du côlon. Alors bien sûr, cette question évidente, est-ce que cela a été un choc pour vous? Ou est-ce que vous saviez que ces dernières années, semaines étaient difficiles pour lui? On savait qu'il était malade, évidemment, mais sincèrement, je ne m'attendais pas à... Enfin, c'était très soudain, quoi. C'est une maladie aussi tellement curieuse, tu sais pas si ça va se passer, s'il va y avoir de la rémission, si ça va disparaître, ouais, ou si ça va t'emporter. Ça allait mieux à un moment donné. Ouais, et puis c'est vrai que voilà, ça s'est dégradé d'un coup avec sa septicémie, je crois. Et là, ouais, ça a été cumulé, un enchaînement de mauvaises choses pour lui, malheureusement. Ahmed Mouissi, vous êtes avec nous par téléphone. Je sais combien vous étiez proche aussi de Daniel Lévy. Vous aviez ce titre ensemble dans la comédie musicale avec ce titre Mon Frère, qui était, je crois, un des plus gros singles, qui est arrivé en 3e single ou 4e, et je vais y revenir. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'apprendre la disparition de Daniel Lévy? C'était un choc. On savait qu'il était malade, comme l'ont dit Ginny et Pablo. Mais on espérait toujours que ça allait passer, que des voilà quoi. C'est, et donc on était en tournée et c'était un jour off pour nous. Oui. Et manque de peau, ça nous a, on n'a pas dormi quoi, tout autant qu'on était. C'était terrible. Ouais, ça vous a un peu cassé, comme on dit. Ah ouais, complètement. Couper les jambes. Ah ouais, totalement. Moi, j'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, on va en parler parce que vous lui avez consacré un live exceptionnel. C'était le jour de son anniversaire, le 26 août dernier. Mais d'abord, je veux rappeler pas mal de choses. Daniel Lévy, il est né le 26 août 61 à Constantine, en Algérie française. On l'a vu avec lui, on en a parlé dans cette émission, de son enfance à Lyon, à la Duchère précisément. Il a habité ensuite à Marseille et il nous a quittés donc des suites de ce cancer colorectal qu'il a annoncé en 2019. Mais Daniel Lévy, c'était quelqu'un qui était un artiste, un auteur, un compositeur, un chanteur. Il s'est formé d'abord... dans les cabarets, les piano-bars. Il est parti aux Antilles un an ou deux, il nous l'a confié, il s'est préparé à un métier de musicien finalement en étudiant le piano toute sa vie pendant des dizaines d'années au conservatoire.
Il a commencé à composer sa musique avec un album, Cocktail, avec la chanson qu'on est en train d'écouter, Falaise Bleue, sous le nom de Daniel Neuville. Il a tourné aussi dans la comédie musicale de Catherine Lara, Sand et les Romantiques. Exact. Et vous en savez quelque chose, vous Pablo, parce que vous avez travaillé aussi avec Catherine Lara, il me semble. Oui, absolument. Vous avez travaillé avec elle. Daniel, il s'est ensuite engagé, il a été engagé par les studios Disney pour interpréter en duo avec Karine Costa la chanson Ce rêve bleu pour le générique Aladdin. Et en 96, il a sorti son second album, entre parenthèses, qu'on a, voilà, que moi j'adore, voilà, pour parler de façon personnelle. Et dans les années 2000, il incarne le rôle de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements, la comédie d'Élie Chouraqui et Pascal Obispo. Élie Chouraqui qu'on aurait adoré avoir sur cette antenne et à qui j'ai proposé bien évidemment et qui m'a dit que c'était un peu compliqué parce qu'il était en train de préparer autre chose pour bientôt. On espère le recevoir. Et vous avez été tous ensemble sur scène pendant de nombreuses années. Ginny, vous étiez Nefertari. Oui. Un joli souvenir. Vous avez interprété le troisième single qui s'appelle Le Dilemme. On va écouter tout de suite. Et vous avez un souvenir, vous, particulier, que vous avez vécu, une anecdote que vous aimeriez raconter lors de cette comédie musicale? Bah écoutez, alors Daniel, il avait un défaut, enfin, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est vrai qu'il avait énormément de mal à retenir les textes. Donc, il se plantait tout le temps dans les textes. Donc, ah, tu vas pas raconter, c'est mon histoire, celle-là. On se tapait des Ahmed n'est pas content parce qu'il voulait la raconter. Non, mais c'est vrai que ça lui arrivait extrêmement souvent. Tu peux raconter celle que tu veux, Ahmed, mais c'est vrai que ça lui arrivait très souvent de se planter. Donc, vous imaginez chanter en français en yaourt. Alors, quand on est en anglais, ça va. On peut s'en sortir, mais en français, c'était... Mais je pense qu'Ahmed va le faire parce qu'il sait le faire très, très bien. Quand Daniel se fait un bon yaourt français, n'est-ce pas, Ahmed? Non, mais vas-y, raconte-la, je te laisse. Non, vas-y. Allez, Ahmed, oui. On a envie de la voir. Alors, en fait, cette histoire, c'est donc sur mon frère. Donc, je commence le premier couplet, je suis sur une plateforme en hauteur, avec les gardes égyptiens. Et donc, je fais mon couplet et je finis sur mon frère. Et Daniel est face public, vraiment tout près du public, debout, les bras en croix, et il commence son passage, et il fait « Eh bien plus qu'un enfant des oh bien plus qu'un enfant des Et moi je regarde Pablo, je dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» J'ai bien compris qu'il est... Mais je pensais qu'il allait louper une phrase. Non. Ça fait tout le couplet. Ah ouais, le couplet entier. Le couplet avec des mots inventés. Ouais. Et c'était. Il commençait par bien plus et il a fini mon frère à la fin. Et la plateforme descend et la première chose, je me rends compte que la première phrase que je dois lui dire, c'est tout s'oublie. Et je me dis, il n'y a pas un que je croise son regard. Parce que évidemment, lui qui me souriait. Il s'est retourné, il me souriait genre « Vas-y, t'es dans la merde, comme on dit. » Et il me regarde, et moi, je me mets à regarder son épaule, et je lui dis « Tout sublime, chacun avec sa peine, évidemment. » Et il se baissait pour essayer de capter mon regard. Il penchait la tête à chaque fois qu'on me regardait, pour essayer de... parce qu'il savait que je pouvais rigoler en deux secondes, moi. Mais je pouvais pas sur mon frère, c'était impossible. C'est une chanson un petit peu solennelle. Mais oui, quand même. Je peux pas taper un fou rire sur cette chanson. C'est compliqué. Sinon, ouais. Je casse le spectacle, je me fais engueuler par Dove, par Albert, par Ellie, par le public. Alors que c'est lui qui a commencé, comme dirait l'autre. Donc, mais vraiment, ce moment où il finit mon frère, je regardais Pablo, il m'a regardé avec un haussement d'épaule, genre, et voilà. Et voilà, il est reparti. On est en plein dedans. C'était où, vous vous en souvenez, amène-nous ici. Au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Vous êtes resté plus de 6 ans, je crois, à l'affiche avec cette comédie musicale des Dix Commandements. La première représentation, c'était justement au Palais des Sports. C'était en octobre 2000. Et je crois que le spectacle a réuni près de 2 millions de spectateurs. Il a été joué à l'international. C'est énormissime. Comment vous avez vécu cette période des Dix Commandements tous ensemble? C'était une grosse machine. C'était une folie. C'est tout le monde avançait dans le même sens. C'est ça qui était la grande force de ce spectacle, de la technique au dernier chanteur, danseur, tout le monde allait dans le même sens. Ça faisait 100 personnes en fait. Mais pas que 100 personnes d'ailleurs, les sponsors, tout le monde allait dans le même sens, c'était une machine inarrêtable. Il y avait une cohésion de folie, c'est-à-dire que même les autres comédies musicales enviaient cette cohésion, cet amour, cette amitié. Qui se ressentait sur scène aussi. Qui se ressentait sur scène et...
Et c'était très très fort et puissant, ouais. Ginny Lynn, vous étiez très proche, je crois, de Daniel. Vous aviez chanté avec lui à l'Olympia en 2019. Ouais, on a fait l'enfant, on a chanté l'enfant tous les deux. Accompagné d'Ibrahim Alouf. Ouais. Vous l'avez énormément relayé sur les réseaux en l'appelant mon Dany. Il était qui pour vous ? C'était mon frère, quoi. C'était un frère, c'était quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu dans les 10 commandements, évidemment. Mais je sais pas, il y avait une sorte de fraternité entre nous qui était un peu inexplicable, en fait. Et on se parlait souvent sur les réseaux, par message. Je connais très bien sa femme aussi, Sandrine. À Boukrat. Et voilà, on avait même projet de faire des chansons ensemble. Mmh. Donc, bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Mais c'était mon frère, quoi. C'était aussi votre frère à vous, Ahmed Mouissi, puisque la perche est tendue. On parlait de cette chanson « Mon frère ». Est-ce que vous étiez frère à la scène comme à la vie, finalement ? On partageait la même loge, n'est-ce pas, Pablo ? Oui. Daniel et moi avions la même loge. Ça fait qu'on partageait les moments de stress. Il y avait aussi le fait du succès de l'envie d'aimer qui l'a emmené très haut et surtout qui l'a beaucoup occupé. Et je voyais que ça le travaillait quand même parce qu'il passait d'une sorte d'anonymat, même s'il était reconnu artistiquement par les professionnels. Oui. Mais pas, il n'était pas connu du plus grand public, on va dire. C'est ça. Et là, il s'est retrouvé star, quoi, on va dire. Star. Et on parlait beaucoup, parce que moi, il y avait eu Poho avant. Oui. Donc, je lui disais un petit peu ce qui allait lui arriver, quoi. Et donc, de continuer d'appeler sa maman, à l'époque. Mm. Appelle ta maman, parce que ta maman, toutes ses copines, elles lui disent « Ah, oh, j'ai vu ton fils à la télé. » Et toi, tu dois l'appeler, et au moins, ça te rapproche de qui tu es. Et comme ça, tu te prends pas la tête, parce que je peux vous promettre, hein, les amis sont là pour le confirmer. Ouais. Devant la loge, il y avait plein de gens, ils me disent, mais je les connais pas, ils disent tous que c'est mes cousins. Donc ils arrivaient à se faufiler pour venir jusqu'à la loge, les gens. Mais ils me disent, mais je les connais pas. Je fais, mais c'est comme ça, tout le monde te connaît. C'est tu vas vrai. Avoir un copain d'école. Il disait qu'il n'était pas arriver, légitime. Il n'a jamais été à l'école avec toi. On parlait de ce syndrome quand il est venu de l'imposteur qu'il a beaucoup, dont il a beaucoup parlé ces derniers temps. Je pense qu'on va parler profondément de qui il était dans le fond dans quelques secondes. Mais Daniel Lévy, il avait ce côté très humain, très dans la discrétion aussi, très finalement. Très donc timide, pour lui, le succès, c'était pas évident à gérer. Oui, et puis ça est arrivé tellement d'un coup. Soudainement. C'était énorme, quoi. C'était une star, je veux dire. Les gens pleuraient quand on sortait du Palais des Sports. Enfin, c'était phénoménal. Phénoménal. Et je pense que ça a été trop rapide. Et du coup, c'est peut-être ça aussi. Non, ça n'a pas été trop rapide, quand même. C'est vraiment, au final, comme un accomplissement, ce qui lui est tombé dessus. On avait, il le voulait. Certains d'entre nous, on avait déjà notre petit âge. Bien sûr. Mais c'est Daniel, il avait combien ? Il avait 38 ans à l'époque. Et il avait déjà fait 1000 choses. Bien sûr. Et dans les anecdotes, d'ailleurs, moi, je me souviens dans les années 90, l'avoir vu, dès que je pouvais, j'allais le voir en bar concert, en café concert, oui. Un truc comme piano ça. Piano bar. En piano bar, voilà. Un piano bar. Ça. C'est ça, excuse-moi, c'est parce que je suis étranger. Ouais, et que je ne sais pas, je ne parle pas bien les français, alors je confonds toujours les choses, tu vois. Joli. Et cette anecdote alors ? Bah, l'anecdote, c'est que s'il faisait du yaourt en français, il en faisait en anglais. Je lui faisais des chansons entières de Stevie Wonder où il n'y avait pas un seul mot qui correspondait à la chanson, mais pas un. Mais ça passait. Parce que c'était Daniel Lévy. Parce que c'était tellement musical, c'était tellement. Parce que c'est un tueur. Voilà, il se promenait sur les harmonies comme un fou. Il est unique, Daniel Lévy. Alors, puisqu'on parle de lui, de sa musique, de ce qu'il fait après les 10 commandements, Daniel, il a eu besoin de se retrouver plus proche de ceux qui l'aiment, de qui il est lui, de ses racines musicales à lui, en quête de son propre chemin. C'est ce qu'il nous disait un peu plus loin de cette machine qu'était les 10 commandements pour trouver sa crédibilité. Écoutez ce qu'il nous disait. J'ai toujours comme référence ceux qui sont meilleurs que moi. Les jazzmen qu'on ne connaît pas tellement, mais qui sont des illustres musiciens et qui ont un talent monstre, qui ne sont pas forcément dans la lumière. Et donc moi, j'ai des références qui faisaient que j'avais tellement chanté de choses. Quand on m'a reconnu à travers cette chanson-là, c'était bien, mais je n'avais pas encore fait ce que je voulais. Vos c'est-à-dire preuves à vous. Mes preuves avec mes chansons. Ouais. Donc j'étais en porte-à-faux parce que j'ai donné le meilleur de moi-même pour ça, parce que j'étais à un espèce de rendez-vous avec moi. J'avais tout à prouver, mais
j'avais pas encore fait entendre ma musique. Voilà, sa musique, on est en train d'écouter Lonely, une de ses plus belles chansons sur un de ses premiers albums. Je vous vois très émue, Jenny Lynn, d'entendre Daniel. Il nous manque. Évidemment, il nous manque, mais aujourd'hui, on va se dire qu'on va lui rendre hommage et parler de ses chansons, de l'amour, toujours dans ses chansons, avec cette quête du sens qui était très personnelle à Daniel Lévy, pour délivrer des messages comme un exutoire. Lui qui disait qu'il était un contemplatif. Est-ce que c'est vrai ça? Il était un contemplatif de la vie, des choses autour de lui? Oui, très. Très. Il s'extasiait énormément sur plein de choses, quoi. Il parlait souvent de l'enfance dans ses chansons. Dans ses chansons, oui. Et je pense qu'il traînait sa part d'enfance de façon toujours, forte. Toujours, en fait. Ouais, il voulait pas, je crois, perdre cet aspect de lui. Il nous disait qu'il était très proche de son papa. Il a été très proche, je crois, de son papa. Je pense qu'il y a eu des douleurs aussi dans sa vie qu'il avait besoin de raconter, peut-être de façon tout en pudeur aussi. Ouais, hein. On s'en parlait pas trop. Enfin, moi, j'ai... Je sais pas grand chose là-dessus. Je sais qu'ils étaient quelques frères et sœurs. Mmh. C'est pas le premier. C'est pas, oui. Et... Il aimait la discrétion des gens bien aussi, Daniel. Il nous en a parlé. Ceux qui font du bien autour d'eux en faisant preuve de générosité, pas celles qui s'étalent, dit-il. C'était cette personne, Daniel Lévy. Ahmed Mouissi, vous êtes avec nous par téléphone. Dites-nous, est-ce que pour vous, Daniel Lévy, c'était la discrétion et la générosité aussi? Il n'y a pas besoin d'en parler plus que ce que sa voix donnait. Dans sa voix, il y avait de la générosité. On entendait tout dans sa voix. On entendait l'être qu'il est. Et après, ouais, il était discret. C'était ce paradoxe entre la notoriété énorme que la chanson L'envie d'aimer lui a donné. Et il en était fier et content, mais ça lui faisait peur d'un autre côté. Il était très. C'est pas le gars qui allait débarquer en Porsche. Du jour au lendemain, quoi. En tant que camarade, il n'a pas changé, en fait, non, malgré le succès. Oui, ça, c'est vrai. Ça ne l'a pas transformé. Non, ça ne l'a pas transformé. Il laissait tout le temps ses caleçons pendant toute la semaine dans la loge. Et puis, quand il partait faire Shabbat, je faisais le rangement. je faisais le rangement. Et il arrivait le soir, il était content. Il disait, ah, mais il y a du changement dans la loge. Ouais, j'ai rangé mes caleçons. Donc, il était pas très soigneux, alors. Non, on va pas commencer. Alors, sujet suivant. C'était une loge de garçons. Oui. Des garçons, des frangins, quoi. Si on a 2 ans de différence, comme j'aime bien le dire, c'est que moi, ma famille est Sétif en Algérie, et lui de Constantine, c'est 100 km. Il a débarqué à Lyon, 100 km de moi qui était à Chambéry. C'est ça, vous étiez pas loin. Ouais. On est 7 enfants, et lui, c'était le dernier, moi, j'étais l'aîné. Enfin, je suis toujours l'aîné de ma famille. C'est un grand frère, Ahmed. Et après, on a un autre point commun, c'est qu'on est daltonien. Tous les deux. C'est-à-dire quand on s'habillait, ouais. Ah oui, quand on s'habillait, ça pouvait donner des des tons un peu bizarres, quoi. Mais nous, on s'en foutait, on trouvait ça bien. Voilà. Il dit allez, un, Ginny. Ouais. Il s'habillait bien ou pas? Non. Toi, il y avait un truc qui te sauvait, c'est que comme t'as toujours été rock'n'roll, il y avait toujours des fringues un peu rock'n'roll, donc quoi qu'il arrive, ça matchait plus ou moins. Mais lui, c'est vrai que des fois, il y avait des erreurs. Hein. C'est mignon de vous entendre parler comme ça, parce qu'on sent malgré tout beaucoup d'amour dans la moquerie, et ça continue de le faire vivre encore. Il disait aussi dans ses chansons, et j'ai envie qu'on parle aussi de la foi de Daniel Lévy, qui était très importante. L'épreuve, c'est de douter, disait-il dans une de ses chansons, alors que Dieu est tellement présent, c'est ce qu'il nous a dit, un langage personnel avec le Créateur. Il disait pas beaucoup Dieu. Il disait le Créateur, le divin. Voilà, j'ai réécouté l'émission qu'on a faite ensemble, mais c'est vrai que voilà, il avait cette pudeur encore une fois, alors qu'il était touché par l'épreuve. Il a toujours gardé la foi jusqu'au bout. Et je l'ai dit en préambule de cette émission, j'ai le bonheur de pouvoir l'accueillir, Daniel Lévy, en février dernier. Bien sûr, on a parlé de la promotion de son album Grâce à toi, de la tournée Vivre aux éclats en France et en Belgique, et de son concert à Mogador où vous deviez être ensemble, on va en parler. Mais lors de notre échange dans cette émission Portrait, beaucoup de choses sont sorties de lui sur les aléas de la vie, les aléas de la vie dit sans être dit finalement à sa manière. Il était quelqu'un de très spirituel, la religion, l'amour l'ont aidé à relativiser, je crois, dans son combat contre la maladie. Et forcément, nous avons échangé et il y a eu cet instant suspendu, remarquable, et j'ai envie qu'on l'écoute.
ceux qui sont touchés par les épreuves, c'est qu'ils sont aimés de Dieu. Parce qu'on dit cette phrase qui est que on ne peut supporter, enfin que Dieu nous donne les épreuves qu'on peut supporter. Oui, c'est vrai, même si elles sont insupportables. Oui. Mais c'est surtout que dans l'épreuve, on se révèle. On atteint des niveaux de soi-même, des révélations de soi qu'on ne soupçonne pas. Et puis, on fabrique des outils pour réussir à supporter les épreuves. Et fabriquer des outils, on devient un créateur et on se rapproche de ce que c'est que le grand créateur. Donc, on se rapproche de lui en étant quelqu'un qui va puiser dans le fond de soi-même pour trouver des solutions. Voilà, Daniel Lévy, c'était cette personne-là. C'était quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui avait foi en Dieu, quelqu'un qui était aussi positif, finalement, très, avec la vie. Très positif. Chaque fois plus, en fait. Ouais. Chaque fois plus. Ouais. Bah oui. Je crois qu'il avait cette volonté de s'élever. Ouais. Oui, c'est ça. Amen, oui. De toute façon, quand on se voyait, c'est toujours délicat de voir un ami malade, enfin un proche malade. On ne sait pas si on est dans la pitié, si on est dans une sorte d'empathie. Et lui, vous enlevez ça en deux secondes parce qu'il était dans la vie, quoi. Il enlevait la pitié, l'empathie. Ouais. Il nous le laissait quand même. Mm. Ouais, mais il était. Moi je me souviens de son combat contre la prod quand il a décidé de pas jouer les vendredis soirs et les samedis après-midi. J'allais y venir. Faut comprendre qu'une production, elle devient folle, quoi. C'est le vendredi soir et le samedi après-midi, ouais, quand ça. Même. En fait, aux yeux du monde, il démarrait, mais il s'est imposé finalement, Ahmed. Hein. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a été prêt à jouer le fait de son rôle, du rôle, de perdre le rôle de Moïse. Je me souviens, on était tous ensemble, et Pascal parlait, et je lui dis, Pascal, est-ce que tu es content de Daniel au niveau de l'album? Il dit, bah oui. Je lui dis, bon, bah, c'est à la production de scène de prendre sa décision, sachant que Albert Cohen était le producteur du spectacle, et que c'est quand même l'ami d'enfance de Daniel. Ouais. Donc je savais que ça allait le protéger. Et en fait, on est allé plus loin en disant que on était tous ensemble, hein, Pablo, tu te souviens? Ouais. On a dit, ça va jusqu'au bout du truc. Il joue Moïse, et il fait Shabbat, faudra prévenir les gens, que voilà. Et puis, il porte son rôle jusqu'au bout, Moïse. Quoi. Ouais. Moi, je ne suis pas érudit, mais il me semble que les Lévi, c'était la tribu de Moïse, non? A priori. Oui, apparemment. Mais qui aurait pu, épouser aussi bien le rôle que lui. De Moïse et le rôle. Enfin, c'était les. Enfin, voilà. Je voyais personne d'autre en fait chanter les chansons de Pascal. Par moment, il était vraiment habité aussi. Mais c'était un truc de fou, quoi. Donc, il était habité par ce rôle. Les producteurs ont certainement dû se dire ça aussi. Au moment de se dire, bon, ok, ça sera. Non, ils n'ont surtout pas eu le choix, c'est lui qui voulait. Ils n'ont pas eu le choix, mais. Si c'est moi que vous voulez, je ne jouerai pas le vendredi. Il est resté cohérent avec lui-même, avec encore une fois sa foi, et avec son. Avec rôle. Le doute qui l'accompagnait, parce qu'il ne savait pas si ça allait pas lui coûter le spectacle, exactement. Qu'il avait envie de faire en plus. Exactement, ouais. Exactement, c'est vrai ce doute. On n'aura pas la chance de pouvoir l'écouter une dernière fois sur scène, mais j'ai envie quand même qu'on évoque très rapidement avec vous ce qui devait se passer à Mogador, puisque vous deviez faire la première partie tous ensemble. Oui, Pablo. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, on l'avait déjà fait, on l'a fait à Confant, hein, c'est ça. Hein. On avait déjà préparé ça à Confant. On avait déjà fait un premier concert, oui, exact. Voilà, enfin, qui était d'ailleurs le dernier concert de Daniel. Bah, ouais. Le dernier, oui, le dernier. Qu'il devait on rendre ensemble. En mars dernier à Mogador. Mm. Et après, on devait être à Mogador, voilà, exactement. Si on faisait sa première partie en tant que pratiquement ami, en fait. Oui. Mm-hmm. Et avec un moment de communion dans sa partie à lui. Et voilà. Et on était censé remettre ça à plusieurs occasions. Et voilà, la vie ne nous en a pas laissé le temps. On continue quand même de prendre le temps de parler de lui parce que c'est important, ça fait vivre. On va parler de votre actualité à tous. Ahmed, si vous nous permettez d'être ensemble encore quelques petites minutes sur l'antenne de Radio J avant de reprendre la route. Restez avec nous, on continue cette émission avec Ginny Lynn, Pablo Villafranca, Ahmed Mouissi. Bien sûr, dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Oh.
15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. La menace nucléaire iranienne à l'approche de la conclusion d'un accord, le régime islamique joue la surenchère. Le président Ibrahim Raisi affirme qu'il n'y aura pas d'accord si les experts de l'Agence internationale d'énergie atomique continuent à enquêter sur les traces d'uranium enrichi découvertes sur des sites non déclarés. Lors de cette conférence de presse pour le premier anniversaire de son accession au pouvoir, le président iranien s'en est également pris à Israël. Des opérations de Tsahal en Judée-Samarie cette nuit. Un terroriste du djihad islamique a été arrêté dans la ville de Qalandia. 9 autres Palestiniens recherchés ont également été appréhendés. Ces raids sont quasi quotidiens depuis les attentats de mars-avril qui ont fait 19 morts en Israël. En Israël toujours, mais cette fois-ci au niveau politique. À un peu plus d'un mois des élections, les cinquièmes en 4 ans, le même problème que les fois précédentes se dessine. Un nouveau sondage confirme que le bloc de droite mené par Benjamin Netanyahou n'obtiendrait pas la majorité si le scrutin avait lieu aujourd'hui. Le 125e anniversaire du congrès sioniste de Bâle, le président israélien est attendu sur place. Isaac Herzog part aujourd'hui pour la Suisse. Attention à la vague de chaleur, surtout si vous êtes en Israël, car le pays est aussi concerné avec des températures bien au-dessus des normes. Ça va durer jusqu'à jeudi et c'est dans la vallée du Jourdain que ce sera le pire. Le mercure pourrait y grimper jusqu'à 45 degrés. Dans l'actualité internationale, la guerre en Ukraine avec la mission de l'AIEA qui arrive dans les jours qui viennent dans la centrale de Zaporijjia, régulièrement bombardée. Et en France, la rentrée politique avec ce week-end l'appel de Jean-Luc Mélenchon à manifester à la mi-octobre contre le gouvernement. Invité de l'interview politique sur LCI aujourd'hui, la ministre des PME a répondu aux menaces du leader de la France insoumise, Olivia Grégoire, qui a mis en cause le Jean-Luc Mélenchon en affirmant qu'elle faisait des choses alors que lui appelait à manifester. Radio J. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve bien sûr à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec une partie de la troupe des 10 commandements et les chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h30. Cyril Sarah Cohen. 15h34 sur Radio J de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec une émission hommage à Daniel Lévy aujourd'hui. Dans cette partie d'émission, vous le savez, on découvre toute la culture du moment ou d'avant. Alors bien sûr, nous allons parler du théâtre avec les 10 commandements dans les yeux de Christophe Barbier. Mais d'abord, je voulais revenir un petit peu sur la musique de Daniel. Lui qui proposait une musique de l'âme, du cœur, nous disait-il. Lui qui acceptait finalement d'être un peu le porte-drapeau de la tendresse et de l'amour. Quelle était votre chanson préférée, que ce soit à lui ou pas à lui d'ailleurs? Je crois que vous aimez beaucoup Grâce à toi, ouais. Pablo Villafranca. Oui, oui, bah ça prouve que seul on n'est rien dans le monde et que quelquefois les soutiens sont autour de nous et puis rendre hommage à ceux qu'on aime parce qu'ils nous font du bien. Je trouve ça plutôt pas mal. On va écouter un tout petit bout. Bleu, couleur océan, le cœur comme un enfant. Tout s'envole sans un bruit, sans un mot, tout est dit. Lune aux éclats d'argent, nos rires pris dans le vent. Voilà cette voix magique, suspendue comme de l'eau, qui nous fait rêver. Il avait des techniciens incroyables, une technique de pointe. Il aimait la vraie musique, la bonne musique. D'ailleurs, il nous a confié ici que l'un de ses chanteurs préférés, qui s'appelle Franck Macomb, avait accepté de faire un duo avec lui. Ça devait être sur son prochain album. C'est une surprise qu'on aura peut-être la chance d'avoir s'il y a un album posthume. Est-ce que vous avez une chanson préférée de Daniel Lévy? Moi, j'aimais beaucoup L'Enfant.
Ouais, l'enfant. C'est une de mes préférées. Et puis quand il m'a proposé de chanter avec lui à l'Olympia, il m'a dit « qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Et je lui ai dit tout de suite « l'enfant ». Et voilà. D'ailleurs, la vidéo où vous êtes ensemble se trouve sur YouTube. Je recommande exactement, d'aller l'écouter. Absolument. La qualité n'était pas excellente pour l'antenne. Non, mais je l'aurais mis, c'est sûr, mais vous étiez comme toujours merveilleuse. Merci beaucoup. Amen Wissi, votre chanson préférée de Daniel Lévy. Moi, c'est « Elle et moi ». Elle et moi, c'est vrai, c'est une très jolie chanson. Oui, ouais. J'avais découvert, en fait, quand on parlait de musique avec Daniel, il me parlait souvent de Donny Hathaway. Oui, c'était et son maître, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah, on l'entend, hein. Ça s'entend quand on écoute Donny Hathaway. On retrouve Daniel dedans. Et c'est son style, le style qu'il aimait bien. C'est un genre de jazz funk. Un jazz funk, et puis... Donc il arrivait à mettre sa mélodie, son texte en français et une musique très américaine, quoi. Et ça va au-delà des mots, c'est le son, le style de Daniel, c'est ça, quoi. C'est vraiment ce style jazz funk. Et la chanson est drôle, quoi. Elle est, voilà, oui. Quand il... Et oui. C'est très joueur. On écoute un petit peu, allez. Et il adorait jouer aux échecs. Ah. Non, vous avez joué ensemble. Je joue aux échecs. C'est très joli ce que vous nous racontez. En tout cas, merci beaucoup de vous confier, de vous donner aussi pour parler de Daniel, à qui vous avez rendu hommage aussi à votre manière pour lui vendredi soir, le 26 août, date de son anniversaire. Où il aurait eu 61 ans, je le rappelle. C'était dans le cadre de la tournée des Retrouvailles, que vous appelez les Retrouvailles, au Naya Village à Barcarès, qui rassemble des artistes des comédies musicales françaises. C'est ça un petit peu... parlez-nous de cette tournée, ouais, les Retrouvailles. C'est ça, en fait. On se retrouve avec les copains des anciennes comédies musicales, Mozart, l'Opéra Rock, 1889... Le Roi Soleil, Roméo et Juliette. Et vous êtes donc plusieurs artistes qui ont porté ces chansons originaux. Oui, c'est important de le dire. Et c'est vous la avez particularité fait en fait des Retrouvailles, hein. C'est que c'est vraiment les originaux qui défendaient leur rôle dans leur comédie musicale respective. Et c'est différent de Le Grand Show, je crois, où vous êtes le Grand Show des comédies musicales. Moi, je suis dans Le Grand Show des comédies musicales aussi. Et en effet, on reprend toutes les comédies musicales de ces 20 dernières années. Donc, je suis avec Priscilla Betty, avec Gwendal Marimoutou. Il y a Roméo et Juliette aussi, il y a Cécilia Cara, Damien Sarg. Enfin, voilà, on est sept. Vous êtes nombreux. Je crois que la particularité, la différence entre ces deux spectacles, c'est que sur le Grand Show, c'est vous reprenez les chansons des uns et des autres. Vous êtes ensemble en communion. Oui, on fait beaucoup de collégiales. On reprend aussi nos morceaux. Moi, je reprends Le Dilemme aussi, l'Inacceptable. Mais je fais aussi, par exemple, Think des Blues Brothers. Donc, voilà. Donc, il y a un petit peu tout. Tandis que là, voilà, les Retrouvailles, c'est vraiment... Vous chantez les Retrouvailles, vos chansons. Donc, les chansons que les gens connaissent, qu'on aimait dans les comédies chantées par leurs chanteurs originaux. Et en plus, nous présentons chacun des artistes présente son actualité, c'est-à-dire qu'il chante sa dernière chanson. Ça permet aux gens de voir ce qu'on fait aussi dans notre carrière. Mm-hmm. Et on n'est pas figé dans le temps, quoi. C'est pas des choses du passé. C'est ça, chansons des comédies musicales et on fait nos nouvelles chansons en même temps. Voilà, alors, sera notre propre première partie. Alors justement, voilà. C'est important de le dire et on va y revenir dans un instant parce que je tiens à ce qu'on parle de votre actualité. C'est important aussi d'en parler, mais je voudrais juste finir sur ce live en disant qu'il y a eu une collecte de fonds qui a été reversée au campus Gustave Roussy à Paris pour la recherche sur le cancer colorectal lors de ce live. Et par ailleurs, nous aurons tout à l'heure par téléphone l'animatrice télé et radio Laurie Choleva, qui était aussi une amie de Daniel Lévy et qui annonçait que le concert Leur Voix pour l'Espoir du 10 octobre prochain à l'Olympia qui est au profit d'ailleurs de la Fondation Arcade qui lutte contre le cancer du pancréas, sera dédiée à Daniel Lévy. On en parlera avec elle aux alentours de 16h05 en troisième partie de cette émission. Je voulais aussi parler de votre actualité, Amen Mouissi, votre dernier album Une Pinte de Blues, c'est ça? Tout à fait. Il est sorti à l'automne 2021 avec le titre Paname. Voilà, il y a eu Je chante aussi, un de vos titres. Est-ce que vous chantez ces deux titres sur scène? Et justement, pour les Retrouvailles, il y aura des chansons du nouvel album. Et chacun des artistes, comme Pablo, enfin tous, quoi, vont chanter des chansons. On a d'ailleurs un petit duo, hein, un petit duo ensemble. Oui.
On a un duo, ouais. Alors, Charlie. Si vous aviez été en studio, j'aurais adoré entendre ça. Pablo, vous avez sorti ce titre à ne pas dire « Je t'aime » avec Victor Villafranca, votre fils. Vous étiez venu il y a quelques mois nous le faire découvrir. C'était le 3 mars dernier et c'est extrait de votre album avec votre fils. D'un futur album. D'un futur album, voilà, qui est peut-être en préparation. J'espère que vous viendrez encore une fois. Qui se retrouve sur un best-of que j'ai sorti il y a pas très longtemps, là, d'ailleurs. De vos chansons. C'est le 14 juillet pour mon anniversaire. Bon anniversaire, Pablo Villafranca. Merci. C'est 30 ans de carrière et pas une ride, ou presque. Et ben voilà, c'est important de parler tout ça. Ginny Lynn également. Vous serez vous sur le grand show des comédies musicales à partir, si tout va bien, je crois, d'avril 2023. En même temps, je crois que les retrouvailles. Donc c'était important de le dire. Allez, je vais vous libérer, Ahmed Mouissi, parce que je sais que la route est longue et que c'est pas évident pour vous d'être avec nous comme ça par téléphone. Mais mille merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Radio J. Ah. Ahmed, que l'on a perdu, rien, mais qui est peut-être encore avec vous. Nous. Il est plus là, ben, c'est pas grave. Merci. Écoutez, à vous, on passe on tout se remet suite. En route, il n'y a pas de soucis. On fait ça, on passe tout de suite à la suite de cette émission, comme je vous l'ai promis, avec du théâtre. On part au théâtre avec Christophe Barbier pour fouler les scènes qui vous ressemblent. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre! Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre, comme promis, avec bien sûr son analyse des 10 commandements. Et oui, c'est avec vous, cher Christophe, dites-nous tout. Les 10 commandements, c'est d'abord la comédie musicale qui accompagne le passage, non de la mer Rouge, mais de cet océan du temps qui sépare le 20e et le 21e siècle. Nous sommes en l'an 2000 et les 10 commandements accrochent leurs étoiles au firmament du box-office. Il y a le succès de la comédie musicale avec la patte du trio magique, Pascal Obispo, Elie Chouraki, Kamel Wally. Mais il y a aussi le triomphe du disque, album ou single. La France fredonne biblique cette année-là. Les 10 commandements, c'est aussi le spectacle qui doit prendre la suite de Notre-Dame de Paris, qui a signé le nouvel âge de la comédie musicale à la française en marquant les esprits, tout cela 20 ans après Les Misérables. Les années 2000 vont s'appuyer sur Notre-Dame de Paris et les 10 commandements pour affirmer leur esthétique, comme les années 80 s'étaient appuyées sur Les Misérables pour faire de même. Et puis, il y a le sujet, la Bible. Ce n'est pas rien. Et le film de 1956, Cécile B. 2000, filmant Charlton Heston et Yul Brynner dans nombre de scènes mythiques. Mais la comédie musicale ne cherche ni la même esthétique, ni la même émotion. Dans le film, tout est grandiloquent, car les dieux parlent à travers les personnages. Sur la scène, au contraire, les héros et les héroïnes sont humains, emportés par le souffle divin, certes, mais humains. Ils doutent, ils aiment, ils souffrent, ils regrettent. L'envie d'aimer, titre emblématique des 10 commandements, va au bout de cette logique en réconciliant la foi et le cœur, le sentiment religieux et le sentiment tout court. Témérité peut-être, oserait-on voir dans cet air final une passerelle tendue de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Allez, laissons là l'exégèse et gardons l'émotion. Enfin, il y a les messages que passe le spectacle à l'orée du nouveau millénaire, messages d'espoir empreints d'humanisme. Ainsi, le duo entre Ramsès l'Égyptien et Moïse le Juif, chanson intitulée « Mon frère ». Chacun avec sa peine, que le temps nous apprenne à nous aimer en frère, puisqu'on ne sera jamais que la moitié d'un tout, puisqu'on ne sera jamais que la moitié de nous. 20 ans plus tard, entre accord d'Abraham, lancer de roquettes, reprise des attentats, vagues islamistes, élections, on peut mesurer le chemin qui reste à parcourir avant que la réalité ressemble à la chanson. C'est très joliment dit. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Je vous vois réagir, Pablo Villafranca. Oui, il y a toujours à la place d'un jamais qui aurait dû être. Il y a un premier jamais et puis un deuxième toujours. Ou le contraire. Puisqu'on ne sera jamais. Toujours que la moitié d'un tout. Et puis, c'est puisqu'on vrai. Ne sera jamais que la moitié de nous. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est ce qui fait que Daniel, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux à un moment donné. C'est clair. Daniel c'est vrai Barbier. Que le texte, c'était quand même assez compliqué. C'est joli, c'est joli. Allez, merci beaucoup, Christophe. Et tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. L'émotion de Jérôme Goulon. Radio J.
Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. On a fait ça bien cette année. Ah oui, quel beau générique, j'ai failli m'endormir en entendant mon nom. Ah, j'ai trouvé ça poétique. C'est captivant, c'est dans l'émotion. Non, mais dans sa bercée, dans le bon sens du terme. Quoi. Dans c'est, l'émotion. Voilà. L'émotion. La dernière, on avait un autre générique. Ah oui, on était très loin de ça. On était sur le générique de la Paramount, c'était un petit peu trop... Ah, okay. Ça manquait d'humilité. Allez, bonjour Jérôme, dites-nous. Bonjour Cyrielle, donc bonjour Ginny, bonjour Pablo. Bonjour Jérôme. Alors c'est le moment de la chronique émotion. Alors une chronique un peu particulière aujourd'hui qui ne porte malheureusement que trop bien son nom. D'habitude, dans cette rubrique, dans cette chronique, on essaye d'en savoir un peu plus sur la personnalité de nos invités en leur parlant des artistes, des musiques, des films ou des livres qu'ils aiment ou qui ont marqué leur vie. Mais là, pour la première fois depuis que je participe à cette émission, depuis un an maintenant, l'invité, enfin... Exceptez-vous, évidemment, n'est pas en face de moi, puisque Daniel Lévy, qui était dans ce studio à votre place en février dernier, n'est plus là, puisqu'il nous a quittés au mois d'août. Alors, émission Hommage oblige, hein, je ne vais pas, comme d'habitude, commencer cette chronique en diffusant un artiste que Daniel aimait, on en a parlé, hein, notamment du jazzman. Je vais commencer cette chronique par une chanson de Daniel Lévy lui-même, un artiste que beaucoup de monde aimait, et j'ai envie de dire que beaucoup de monde aime encore, car l'amour ne disparaît pas avec la mort. Alors, il y a une chanson qui s'impose aujourd'hui pour lui rendre hommage, hein. Ce titre, c'est Grâce à toi, extrait du dernier album éponyme de Daniel Lévy. On écoute un extrait dans le casque. Alors, cette chanson, Grâce à toi, elle a une résonance particulière aujourd'hui. Grâce à toi, c'est une ballade à cœur ouvert que Daniel Lévy avait adressée à sa femme, Sandrine, qui était un soutien précieux et indéfectible, hein, même dans les pires moments. Daniel Lévy, avec la générosité et les biens et la bienveillance que ses proches lui connaissaient, avait donc tenu à clamer haut et fort son amour pour sa femme et le bonheur qu'elle lui apportait durant les épreuves. On dit souvent le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et bien même dans le pire, elle a été là, plus que jamais là. Sa femme Sandrine, elle a répondu publiquement à cette chanson. C'était sur Instagram le 26 août dernier, le jour où Daniel aurait dû fêter son 61e anniversaire. Et en ce jour si particulier, elle a eu des mots particulièrement touchants pour rendre hommage à son mari. Un hommage très fort que je voulais partager à l'antenne aujourd'hui, puisque Sandrine Aboukrat a déclaré « Il n'y a pas si longtemps, tu me chantais « Grâce à toi ». Aujourd'hui, je t'écris ces mots pour te dire « Grâce à toi, j'ai appris ce qu'était le verbe aimer ». Tu n'es plus là par ta présence, mais tu es avec nous chaque jour et dans notre cœur à jamais. Elle ajoute, ils sont chanceux les anges aujourd'hui, car c'est pour eux que tu chantes à présent. Alors oui, elle a raison, les anges sont chanceux, mais pas seulement eux. Daniel Lévy n'est plus là, mais tant qu'on continuera d'écouter ses chansons, sa voix, il sera toujours présent. Woody Allen disait, hein, avec l'auto-dérision qu'on lui connaît, je ne souhaite pas atteindre l'immortalité grâce à mon œuvre, je veux l'atteindre en ne mourant pas. Alors l'atteindre l'immortalité en ne mourant pas, bah, personne ne sait faire malheureusement. Atteindre l'immortalité par son œuvre, certains y parviennent. Daniel Lévy fait assurément partie de cela. Il avait d'ailleurs déclaré « Composer, c'est ce qui me passionne et c'est ce qui restera de moi », une phrase qui résonne aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, Ginny, Pablo Villafranca, que c'était une de ses volontés, laisser une trace finalement? Est-ce que c'était important pour lui de laisser quelque chose? Bah, j'ai l'impression que c'est important pour n'importe qui. Quel artiste, la vie est tellement éphémère qu'on aimerait ça, ne pas être oublié. Ouais. Au moins des gens qui nous ont aimés. C'est vrai. Donc pour un artiste, évidemment, laisser sa trace artistique, c'est quelque chose de... C'est comme un espoir. C'est pas une certitude. Oui, mais... ça rend éternel aussi, finalement. Oui, c'est ça. Ça rend éternel. Il sera en fait. Éternel, c'est clair. Alors on poursuit cette chronique émotion avec une autre chanson de Daniel Lévy, Les gens bien. Alors Les gens bien, c'est un autre titre de l'album Grâce à toi, de Daniel Lévy évidemment. Les gens bien, un titre qui colle si bien à Daniel. Ceux qui l'ont connu vantent souvent sa générosité, sa bienveillance, son empathie pour les autres. On l'entend dans les paroles de cette chanson. Non, on n'a rien à vendre, donner même sans demande amène bien plus d'ivresse que toutes les belles promesses. Pascal Obispo, auteur de L'envie d'aimer, hein, le titre qui a propulsé la carrière de Daniel Lévy, a tenu d'ailleurs à souligner la générosité de Daniel et l'empathie dont il faisait preuve envers les autres, puisque Pascal Obispo a écrit « Daniel Lévy, c'était une voix singulière, mais des combats aussi, le climat, les soignants, la lutte contre le racisme, le soutien au Liban. Il n'hésitait jamais, je cite, hein, à s'engager pour que le monde devienne un peu meilleur. » Et c'est vrai, Daniel Lévy n'a jamais été avare quand il s'agissait d'aider les autres et d'essayer de rendre le monde un peu meilleur, que ce soit par ses chansons ou par les soutiens qu'il apportait à différentes causes. C'est vrai que son dernier album a beaucoup... Particulièrement. C'est vrai que ça sonne presque comme un testament, malheureusement, on a envie de dire. Alors on l'a vu encore, justement, avec son dernier album, où il y chantait l'amour et la reconnaissance envers sa femme, son public ou encore le personnel soignant.
En avril dernier, s'était engagé avec l'association Victimes du Covid-19, hein, demandant une journée de deuil national afin d'honorer la mémoire des victimes du virus. Et puis lors de sa dernière tournée, hein, Vivre aux éclats, Daniel Lévy avait tenu à soutenir financièrement lors d'un concert à l'association de recherche Archimède pardon, et le centre régional de dépistage Sud PACA. Vivre aux éclats, la tournée de Daniel Lévy, clin d'œil évidemment à l'association lyonnaise de clowns hospitaliers qui porte le même nom, Vivre aux éclats, est destinée à amener de la joie auprès des enfants, adolescents et adultes hospitalisés. Alors oui, comme le disait sa femme, Daniel Lévy chante aujourd'hui pour les anges, mais de son vivant, on peut le dire, pour certains, lui aussi, il était un ange. C'est très joliment dit ça, Jérôme Pabellini, la bienveillance, la générosité, l'empathie. Je crois que c'est ce qui ressort beaucoup de cette émission consacrée à Daniel Lévy aujourd'hui. Mais c'était une démarche en fait, il me semble qu'il étudiait non pour aller vers je sais pas, quelque chose qui ressemble à être rabbin ou enfin, il voulait aller dans ce sens-là, je crois qu'il étudiait pas mal les textes. Voilà, donc c'était sa démarche en fait, aller pour s'améliorer. On avait il y a quelques minutes, juste avant de démarrer cette émission, Chaim Nissenbaum qui fait partie de cette radio et qui nous disait qu'il le connaissait bien, qu'ils étaient dans la même synagogue ensemble et que a priori ils devaient sans doute apprendre des textes ensemble, les étudier en tous les cas. On poursuit cette chronique émotion avec un autre titre de Daniel Lévy. L'enfant, sorti en 2003, hein, que vous adorez, Jenny Lee. Une chanson incontournable en ce jour d'hommage. On le sait, Daniel Lévy, il a quatre enfants. Abel, Raphaël, Rivka, et puis une petite princesse née en juillet dernier, dont on ne connaît pas le prénom. Enfin, moi, je ne le connais pas en tout cas. Comme un dernier cadeau à sa femme, avant de partir. Je ne me rappelle plus. Bon, on n'a pas le prénom, mais bon, s'il a décidé de ne pas le communiquer. Bref, Sandrine Aboukrat déclarait d'ailleurs, dans son hommage à son mari, « Tu ne m'as pas laissé seul car tu es trop bienveillant. » La bienveillance, on en parle encore. « Tu m'as donné le plus beau des cadeaux, une princesse. » Alors Daniel Lévy était un père aimant et son fils aîné, Abel, 30 ans, a tenu à lui aussi à lui rendre hommage publiquement. Il a déclaré il y a quelques jours sur Instagram, le jour où Daniel aurait dû avoir 61 ans, « Tu aurais eu 61 ans aujourd'hui, continue à veiller de nous, de là-haut. Je remercie tous les jours Hachem de m'avoir donné un père aussi exceptionnel que toi. Je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. » Bon anniversaire papa, je sais qu'on se reverra pour souffler tes bougies ensemble, tu me manques déjà beaucoup trop. Un hommage très émouvant de Abel dans les traces de son père puisque lui aussi aujourd'hui est un musicien. Pablo Gini, est-ce que Daniel vous parlait de ses enfants? Est-ce qu'il était proche de son fils Abel qui est marié avec Sarah, qu'on aime beaucoup, Sarah Bismuth, voilà, qui va venir nous faire un bisou, je l'espère, cette année sur cette antenne. Est-ce qu'il lui a appris beaucoup de choses? Je crois qu'il y a plusieurs vidéos où on voit qu'ils jouent, ils chantent ensemble. Il avait cette envie de transmission. Les autres, moi, je peux pas dire grand-chose là-dessus. Nous, quand on se revoyait, c'est comme si on s'était pas quitté. Mais la vie nous donnait des directions pas forcément parallèles en permanence. Donc voilà, il y a que des moments d'intimité qui peuvent te donner ce genre d'informations. Donc, Abel, c'était le seul qui chantait de la famille, donc forcément, il y avait une sorte de une proximité entre eux, de lien filial. Connexion artistique. Alors, on parlait à l'instant des enfants de Daniel Lévy, mais sa famille, vous en parliez tout à l'heure, c'était aussi sa troupe, hein, vous le disiez, Jenny Lee. Daniel, c'était mon frère. Ouais. Alors, on entend ici la chanson « Mon frère », hein, qu'on a déjà entendue, qu'il interprétait en duo avec Ahmed Mouissi, qui était avec nous il y a quelques instants dans la comédie musicale Les Dix Commandements, je l'apprends à personne. Un duo complice et des points communs assez troublants entre les deux artistes. Hein. Daniel Lévy était originaire de Constantine, en Algérie. Ahmed était de Sétif, situé à 100 km. Et quand il est arrivé en France, Daniel Lévy s'est installé à Lyon. Ahmed, lui, était à Chambéry, pas très loin. Daniel et Ahmed étaient tous les deux issus d'une famille de 7 enfants. Et puis, autre point commun, Ahmed le disait tout à l'heure, comme si ça ne suffisait pas, les deux chanteurs étaient daltoniens. On le voit, des coïncidences assez folles, hein, comme si le destin avait décidé de les réunir avant qu'ils ne montent tous les deux sur scène ensemble. On va terminer cette chronique, je crois, Jérôme, avec une très belle chanson aussi. Oui, on termine cette chronique avec la chanson « Toi, moi, nous, eux, lui, vous hein, ». Pablo et Jenny Lien, excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion aussi. On a évoqué la femme de Daniel Lévy, ses enfants ou encore ses compagnons de scène. De très nombreuses personnalités ont rendu hommage à Daniel Lévy. On ne va pas toutes les citer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Daniel Lévy, il avait toujours une pensée pour les autres, son public, les gens de l'ombre.
Pour terminer, je tenais donc à citer des anonymes qui clament depuis des années l'amour et l'admiration qu'ils avaient, qu'ils ont toujours pour le chanteur, et qui montrent à quel point il était proche de son public. C'est important aussi, on a vu un hommage, un florilège de stars qui lui ont rendu hommage. Il avait un public très fidèle. Il avait un public extrêmement fidèle, et il n'y a qu'à voir ce que disent les gens sur lui, et ça définit, ça donne une idée de qui il était. J'en cite quelques-uns. Hein. « Quel plaisir de voir Daniel sur scène, on avait l'impression d'être dans son salon. Daniel, on voit, il était heureux d'être sur scène. » Autre citation, « Quelle voix, que du bonheur, avec Daniel Lévy, 2h30 sur scène, ça paraissait ne durer que 30 minutes. » Autre citation, Daniel était un véritable artiste dont la voix vibrait comme le vibrato d'un violon et qui chantait avec son âme. Et puis une autre personne qui écrit à propos de lui. Sur scène, il était hyper décontracté. C'est comme si nous étions en famille. Il nous a chanté ses chansons avec tout son cœur. Mmh. Alors des citations comme celle-là, il y en a des milliers. Je ne pourrais pas toutes les dire. Et un commentaire ressort très souvent, en plus du talent évidemment et de sa voix, c'est la générosité et l'authenticité que Daniel transmettait sur scène. Daniel Lévy donnait tout son cœur et toute son âme sans tricher, et c'est pour ça que le public l'aimait tant. Sandrine Aboukrat, la femme de Daniel Lévy, disait que les anges étaient chanceux aujourd'hui car son mari chantait pour eux. Je vais aller un petit peu plus loin. Victor Hugo disait « Les hommes sont des anges stagiaires ». Eh bien aujourd'hui, Daniel Lévy, ce n'est plus un ange stagiaire, et en nous quittant, il est devenu un ange tout court. Daniel Lévy ne chante pas pour les anges, Daniel Lévy, c'est aujourd'hui un ange qui chante pour nous. C'est très joliment dit. Merci beaucoup Jérôme Goulon pour cette chronique tout en émotion. Et puis bien sûr, on va poursuivre un petit peu avec de la musique, avec cette chanson magistrale. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre séquence avec des témoignages également. Je vous l'ai promis, Laurent Bentata sera avec nous par téléphone, Laurie Choleva ou encore David Lampel. Notre coup de cœur du jour, on n'y déroge pas. Et puis le portrait de notre invité, vu par Sandy Boulanger. C'est juste après un peu de musique, la pause suivie du journal de l'information. Restez connectés. C'est tellement court, une vie tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce soir, Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, Divertissement, Communauté. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Souto.
Bonjour Cyrielle. À la une de l'actualité, la menace nucléaire iranienne à l'approche de la conclusion d'un accord. Le régime islamique joue la surenchère. Le président Ibrahim Raisi affirme qu'il n'y aura pas d'accord si les experts de l'Agence internationale d'énergie atomique continuent à enquêter sur les traces d'uranium enrichi découvertes sur les sites non déclarés. Une rare conférence de presse ce matin pour le premier anniversaire de son accession au pouvoir, où il a aussi menacé Israël de destruction en cas d'opération contre son programme nucléaire. Correspondance à Jérusalem, Pascal Zunshein. Cette première réaction de Raisi n'augure rien de bon, puisque le président iranien a averti qu'il n'y aurait pas d'accord sur le programme nucléaire si les enquêtes de l'Agence internationale à l'énergie atomique étaient maintenues concernant les sites non déclarés, les sites nucléaires non déclarés de l'Iran. Déjà, effectivement, un premier signal négatif. Et d'autre part, le président iranien, là, se tourne directement pour des menaces explicites contre Israël, en disant que si Israël décide d'attaquer les installations nucléaires iraniennes, eh bien, ils verront s'il subsistera quelque chose du régime sioniste. Donc on comprend effectivement des propos à peine voilés de la part du président iranien face à ce que Israël présente comme l'option d'une option militaire crédible contre l'Iran pour l'obliger à signer un accord suffisamment bordé sur son programme nucléaire. Donc on voit là évidemment une fin de non-recevoir de la part du chef de l'État iranien. Des opérations de Tsahal en Judée-Samarie, un terroriste du djihad islamique a été arrêté dans la ville de Kabatia. Les soldats ont aussi saisi un fusil d'assaut M16. Aucun d'entre eux n'a été blessé par ailleurs. Lors d'autres opérations nocturnes, 9 Palestiniens recherchés ont été arrêtés. Politique en Israël, à un peu plus de 2 mois des élections, les 5e en 4 ans, le même problème que les fois précédentes se dessine. Un nouveau sondage confirme que le bloc de droite mené par Benjamin Netanyahou n'obtiendrait pas la majorité si le scrutin avait lieu aujourd'hui. Selon un sondage de l'Institut Panel Politics, l'ex-premier ministre et ses alliés n'auraient que 59 sièges à la Knesset, le parlement israélien qui en compte 120. Loin derrière, la formation centriste de Yair Lapid n'en aurait que 23. Le 125e anniversaire du premier congrès sioniste de Bâle. Le président israélien est arrivé sur place tout à l'heure. Plus de 1000 dirigeants, entrepreneurs et philanthropes juifs participent à ces événements commémoratifs. Vague de chaleur en Israël aussi. Les températures sont bien au-dessus des normes et ça va durer jusqu'à jeudi. Dans la vallée du Jourdain, c'est là où ce sera le pire. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 45 degrés. 37 à Jérusalem. Si Tel Aviv n'aura à supporter, entre guillemets, que 32 degrés au maximum, ça s'annonce bien difficile à supporter avec un taux d'humidité dans l'air à 70%. Dans l'actualité internationale, la guerre en Ukraine avec la mission de l'AIEA qui arrive dans les jours qui viennent à Zaporijja, la plus importante centrale nucléaire sur le continent européen régulièrement bombardée. Kiev et Moscou s'en rejettent la responsabilité. Le président Zelensky s'est quant à lui exprimé tout à l'heure devant le patronat français, le MEDEF. L'objectif de la Russie, c'est de détruire l'Ukraine en tant qu'une démocratie, en tant qu'un État social, en tant qu'une puissance économique. Mais je crois en notre victoire parce que quand quelqu'un fait la guerre contre un peuple, il n'a pas de chance. Parce que pour nous, c'est une guerre de peuples et les peuples sont invincibles. Et je remercie très sincèrement vous, le peuple de la France et personnellement le président Emmanuel Macron pour le soutien dans notre lutte pour la liberté. Le président ukrainien traduit par BFM TV. En France, la rentrée politique ce week-end, l'appel de Jean-Luc Mélenchon a manifesté à la mi-octobre contre le gouvernement. Invité de l'interview politique sur LCI aujourd'hui, la ministre des PME, Olivia Grégoire, lui a répondu. Et dans son rôle, moi j'appelle à une marche pour l'avenir des Français, pour la croissance, pour la confiance et au boulot quand on est au gouvernement. Donc certains calent des marches en octobre, novembre, décembre et d'autres sont au boulot le 29 août et depuis plusieurs années, chacun son style. Déception à Cap Canaveral en Floride sur le site de la NASA. Le décollage pour la Lune est annulé en cause un problème technique sur l'un des moteurs. La mission Artemis est repoussée à vendredi au plus tôt. Radio J.
Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve bien sûr demain à partir de 14h. C'est la suite de notre émission dans un instant avec mes invités Pablo Villafranca et Jenny Lynn sur Radio J. N'oubliez pas bien sûr de réagir ou poser vos questions dans quelques minutes. Pour ce faire, il suffit de nous appeler au 01 53 75 26 26 01 53 75 26 26 et tapez 1. Restez sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins. Nous parlerons environnement, histoire, société, art de vivre. Ensemble, soyons dans l'air du temps. Le 9-10, Léa Moscona. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, dprj.fr. Radio J. Les meilleurs horaires de la fréquence juive. Actualité juive. L'hebdomadaire incontournable de la communauté. Communiquer en Israël. Studio Qualita. Pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché, DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J, Actualité juive et Studio Qualita. 01 53 75 25 55. dprj.fr. DPRJ, premier régime. Immédiat de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyril Sarah Cohen. 16h06 sur Radio J, merci de nous avoir rejoints. Bien sûr, on vous l'a promis, pendant la deuxième partie de cette émission, nous avons le prénom de la fille de Daniel Lévy qui s'appelle Nessiel. Un joli petit cœur. Allez, tout de suite, c'est la séquence témoignages et auditeurs sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyril Sarah Cohen. Et avec nous aujourd'hui pour parler de Daniel Lévy, bonjour Laurent Bentata. Bonjour Cyril. Bonjour, je rappelle que vous êtes producteur et directeur du théâtre Mogador. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio J. Vous étiez venu nous voir pour Le Roi Lion à Mogador et Daniel Lévy devait se représenter en mars dernier au théâtre Mogador pour une date exceptionnelle lors de sa tournée. Une date qui, dans mes souvenirs, avait été décalée puis annulée. Oui, tout à fait. Le concert était prévu déjà en février, puis ensuite décalé au mois de mai, le 2 mai. Et avec l'état de Daniel, on avait préféré, enfin Daniel et sa femme Sandrine avaient préféré décaler, en espérant pouvoir revenir et l'accueillir au mois de septembre-octobre. Voilà, c'était ça qui était prévu. Alors j'ai vu que vous, des photos, vous êtes enlacés de façon amicale avec Daniel Lévy. Est-ce que vous étiez proches dans la vie ? On s'est rapprochés depuis un an parce que pour différentes raisons, de fait, déjà le concert qui était prévu. Et puis Daniel s'est toujours mobilisé quand il fallait. Moi, je suis très proche d'une association qui s'appelle Left Of. Mmh. Et quand j'ai demandé à Daniel s'il pouvait venir assister au gala et participer au gala, il a dit oui tout de suite. Et donc, on a passé la soirée ensemble et j'ai découvert cet être délicieux qu'il était, ce grand homme en plus de ce grand artiste. C'était ça l'image que vous retenez de Daniel Lévy, un grand homme, un grand artiste et puis une générosité. On en a énormément parlé pendant cette heure qui vient de s'écouler. La bienveillance est énormément ressortie. Voilà, ces mots en tout cas, la bienveillance et la générosité sont ce qui qualifiait Daniel Lévy pour vous, Laurent Bentata. Ah oui, indéniablement oui, c'était quelqu'un de très simple. C'est-à-dire que vous parliez, vous le côtoyez, mais comme si c'était votre ami, comme si je le connaissais depuis 15 ans, ce qui n'était pas le cas. Hein. On se connaissait depuis un an et demi, deux ans. On s'était croisés déjà, mais vraiment, vraiment depuis un an et demi. Et c'est vrai qu'on a noué des liens très, très forts. Je l'avais ramené après le concert, après le gala, et puis on avait beaucoup discuté. Et puis là, il venait souvent, il était venu donner des interviews ici à Mogador pour préparer son concert. On en parlait beaucoup, 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 beaucoup. Mmh. Pour lui, c'était très, très, très important. Pour Sandrine aussi, à qui je pense particulièrement aujourd'hui. Et voilà, ça manquera. Nous, pour Mogador, c'était un moment particulier aussi d'accueillir Daniel, d'accueillir ce grand homme de comédie musicale dans cette place Mogador qui est la place de la comédie musicale. J'ai envie de dire, l'histoire a été écrite et c'était normal qu'on l'accueille ici. Et c'est vrai que ça va manquer. Daniel va me manquer et Daniel va manquer, je pense, à tous les amoureux de la comédie musicale. Et c'est vrai que ce concert va manquer à Mogador. C'est très joliment dit. Laurent Bentata, est-ce que vous vous souvenez des derniers mots que vous avez pu échanger avec Daniel Lévy ? Est-ce que vous avez pu retenir un échange précis ? C'était sa volonté de venir ici. Il était dans mon bureau je pense que c'était au mois de juin ou un peu avant, je pense. Quand on a dû décaler, mais il m'a dit « de toute façon, je reviendrai ». Et il en avait très, très envie, ce concert. C'était,
En plus, retrouver tous les anciens de la comédie musicale, des 10 commandements, c'était particulier pour lui. Il n'y avait pas de doute dans sa tête. Il a toujours été, de toute façon, je pense qu'il l'a montré, hein, quand il refusait de jouer le Shabbat pour les 10 commandements. Il a toujours suivi son instinct, ses convictions, et il ne s'est jamais renié là-dessus. Et pour lui, il fallait qu'il soit ici, qu'il fallait qu'il chante ici. Donc, le Dieu en a décidé autrement, et je pense que là-haut, il est en train d'entretenir tout le monde avec sa voix, puisque c'est ça, Daniel, je crois que c'est une voix unique. C'est une voix enveloppante. C'est une voix qui vous prend et qui vous emmène, j'ai envie de dire, dans des sommets de douceur et de... C'est unique, hein. Je crois que sa voix est unique. Hein. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup d'artistes. Je pense que sa voix était unique. Et avec une voix à la fois qui vous prenait, mais qui vous touchait particulièrement. Merci beaucoup pour ces mots, Laurent Bentata, producteur, directeur du Théâtre Mogador. Et je crois que Le Roi Lion revient à partir du 8 septembre au Théâtre Mogador, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Mais j'aurais le jour de la première, en tout cas, une pensée à Daniel et à Sandrine, parce qu'aujourd'hui, c'était surtout le sujet de Daniel et c'était de Daniel que j'avais envie de parler. Merci beaucoup, Laurent Bentata. Merci mille fois et j'espère à très vite sur l'antenne de Radio J. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, par téléphone, on accueille David Lampel. Il était déjà venu nous voir l'année dernière en coup de cœur pour son single Désarmé. Depuis, il a explosé sur les réseaux sociaux. Et puis, une pensée, bien sûr, pour Daniel Lévy, puisqu'ils se connaissaient. Bonjour, David. Bonjour Cyril. Bonjour David, merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio J. Alors j'évoque toujours un peu l'actualité forcément parce que voilà c'est l'instant, mais vous connaissiez très bien je crois Daniel Lévy et vous vouliez nous parler de lui. Oui tout à fait, on se connaissait bien, on s'est croisé à plusieurs reprises sur scène, on a eu même une période où on a un petit peu traîné ensemble, ça a duré quelques semaines. Voilà, j'ai beaucoup appris auprès de lui. C'était pour moi déjà, avant de le connaître, c'était vraiment un modèle, un exemple. Et je pense que je parle un petit peu au nom de toute ma génération et toutes les générations suivantes, vraiment de chanteurs et de musiciens. C'était vraiment quelqu'un à suivre et c'était vraiment une espèce de mentor pour tout le monde. Donc on a un peu perdu. J'ai vu une phrase sur un de mes fils d'actualité, quelqu'un de la communauté, voilà, qui disait que c'est comme si on perdait un peu notre Johnny, ouais, notre Johnny à nous, et en fait c'est ça. Vrai. En fait, je trouve que c'est comme si on avait perdu notre Johnny à nous. C'est très joli. Donc voilà. Et en fait, moi j'ai une petite anecdote un peu touchante de Daniel. À l'époque des 10 commandements, en fait, moi j'ai perdu mon papa. Et en fait, à cette époque-là, ma tante traînait un peu avec toute la troupe des 10 commandements. Et avait été alors, souvent qui c'est votre tante? Parce qu'on est bien accompagnés, là. Alors, ma tante Judith, elle s'appelle Judith. Donc en fait, elle traînait un peu avec, à l'époque, avec Dovatia, avec Daniel, avec tous les artistes. Et en fait, elle lui dit, Daniel, voilà, j'ai mon neveu qui vient de perdre son papa. Il est fan de toi. Il est très triste et tout. Je vais le voir. Je vais aller le voir pendant les Shiva. Je sais que tu as perdu aussi ton papa. Et je pense que ça lui ferait plaisir de t'avoir au téléphone. Et en fait, il n'a pas hésité une seconde. Il a dit à ma tante, tu plaisantes. Quand tu es avec lui, tu m'appelles. Quand tu es avec lui, tu m'appelles et je lui parle. Et donc, en fait, il m'a donc du coup, ma tante est venue me voir. Et elle m'a dit, j'ai quelqu'un à te passer au téléphone. Et elle m'a passé Daniel. Et en fait, Daniel a eu des mots très, très réconfortants, très touchants pour moi. Et du coup, voilà. Et en fait, bien après, quand je l'ai croisé des années après, je lui ai dit, tu te souviens pas de moi, mais tu m'as enseigné au téléphone quand j'ai perdu mon papa. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, je suis le neveu de Judith. Il m'a dit, ah, t'es le neveu de Judith. Je me souviens très bien de toi, je t'ai appelé et tout, machin. Voilà, et tout, etc. Donc, voilà, c'était pour la petite histoire, vraiment, c'était quelqu'un de très simple et même à l'époque où, entre guillemets, il était au top, il n'a pas hésité une seule seconde à appeler quelqu'un qu'il connaissait pas, un inconnu, juste parce que mon histoire l'a un peu touché, puisque voilà, lui aussi, il avait perdu son papa très tôt et voilà. C'est incroyable parce que c'est vraiment fidèle à tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission. Et là, on est dans ce qu'on appelle un petit peu du off. On n'est pas là pour faire une promotion spéciale de Daniel Lévy. C'est vraiment la réalité, la vérité. Pas du tout. Là, tout ce que je raconte, c'est réel. C'est vraiment passé comme ça. Eh bien, écoutez, je ne livre pas un mot.
David, merci beaucoup, David. Coucou, Ampel. David, pardon, je t'ai pas salué. Avec Jenny. Tu vas bien, David ? Oui. Merci beaucoup. Allô ? Tu m'entends ? Oui. Merci pour ton témoignage. Ça me fait énormément plaisir que tu sois là. Je t'en prie. Coucou David, c'est Pablo, on se connaît pas, mais coucou quand même. D'accord. Merci beaucoup David Lampel d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J pour raconter justement son histoire avec Daniel Lévy. Je rappelle que voilà, votre single Désarmé est sorti il y a quelques semaines et qu'on aura, j'espère, le plaisir de vous avoir pour l'album en coup de cœur encore une fois cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Merci pour ces témoignages, bien sûr. On vous ouvre le micro tous les jours sur l'antenne de Radio J. Vous n'hésitez pas à nous contacter du lundi au jeudi pour questionner notre invité en direct. Le numéro est le suivant, 01 53 75 26 26 01 53 75 26 26 et tapez un. Et tout de suite, c'est le coup de cœur du jour sur Radio J. Radio J. 15h 16h30 Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, comme tous les jours du lundi au mercredi sur l'antenne de Radio J, puisque le jeudi ce sera santé, on découvre un coup de cœur en direct, Michael Jacob, dans la même sensibilité musicale que Daniel Lévy, qui nous avait interprété Le meilleur de moi en exclusivité sur Radio J, c'était en février dernier. Et bien aujourd'hui, il nous fait découvrir son titre, La même histoire. Et puis je crois que ça vous parle ce titre, on en parle dans un instant. Jenny Lynn, on écoute. J'ai plus rien à te dire, tu le sais déjà. J'ai plus rien à t'offrir, tu es tout pour moi. Même si l'amour est un dilemme avec toi, t'es ma solution, mon problème et mon choix. C'est toujours la même histoire, dès le départ, on s'est promis, juré, perdu, tellement de fois, la même histoire, une impression de déjà vu, encore, la même histoire, deux cœurs s'égarent, dans une cave, un coin d'une rue, on se sépare. Sur l'antenne de Radio J, un titre de Michael Jacob. Bonjour Michael. Bonjour Cyrielle, merci de m'avoir reçu. C'est un bonheur de vous accueillir à nouveau en coup de cœur sur l'antenne de Radio J. C'était pas prévu, on s'est écrit ce matin. Exactement. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée parce qu'on entend ces connotations que vous aimez, puisque vous êtes aussi un fervent admirateur de Donny Hathaway, ouais. Comme l'était Daniel Lévy. Alors on a entendu cette chanson, La même histoire. Je souriais aussi en même temps parce que c'est un titre, enfin le titre d'une chanson, La même histoire, qui est aussi le même titre qu'une chanson de Ginny. Exact, franchement je suis étonnée. C'est génial, c'est fou d'entendre
entendre ça. Bah oui. Sur votre premier album. Ouais, premier album, j'avais un titre qui s'appelait La même histoire que ma maman avait écrit. Et du coup, j'ai fait la présélection de l'Eurovision avec en 99. Donc voilà, je suis arrivée en finale. Bon, j'ai perdu en finale, mais... Voilà pour la petite anecdote. Mais c'est quand même un titre qui vous a porté chance. Alors, il porte chance Exactement. Aussi certainement à Michael Jacob. De quoi parle cette chanson, Michael ? Alors, en fait, c'est une histoire universelle. C'est un couple qui s'aime, qui se désaime, qui se combat et puis qui revient ensemble. C'est un peu l'histoire de tout le monde. Oui, c'est l'histoire de la vie. Exactement. Et c'est Fabrice Haddad qui est aux paroles. Que j'aime beaucoup. Exactement. Que j'aime beaucoup, que j'embrasse très fort. Je suppose qu'il nous écoute. Il nous écoute, il devait être là, mais... Ça aurait été avec joie. Et c'est... Julien Cohen, qui a coécrit avec moi la mélodie. Julien Cohen, qui est aussi l'arrangeur de Néné Lévy. L'arrangeur de Néné Lévy. Et à la guitare, c'est Bruno Caviglia, le guitariste de Néné Lévy. Qui en fait... C'est mon ami. Exactement. Qui a fait mon ami. Très bien. C'est mon ami. Michael Jacob, alors on va parler encore de vous. Je vous ai reçu il y a quelques mois. Entre-temps, beaucoup de nouveautés pour vous qui n'arrêtez jamais. Que s'est-il passé depuis le 2 février dernier? Vous avez une minute pour nous raconter tout ça sur l'antenne de Radio J, comme on le fait d'habitude. Merci. Alors, mon producteur qui est là, Toury Music, Thierry De Teille, m'a laissé carte blanche pour écrire un album funk. Oui. On a cet amour en commun du funk, de la soul. On a loué des instruments vintage d'époque. On va commencer par trois singles. Le premier single, c'est Le meilleur de moi. Le deuxième, c'est La même histoire. Et le troisième, je peux pas tellement dire ce que c'est. Eh ben, c'est pas grave, vous reviendrez. Et ça a été enregistré avec des instruments analogiques. Pour donner un son, un souffle soul en fait. C'est incroyable parce que je crois que Daniel faisait ça aussi. Il a enregistré avec des instruments vintage d'époque, et ouais. Sans Pro Tools, sans tout ça, ouais. Sans. Non, mais voilà. Si l'instrument est bon, il n'est pas vintage en fait. peut-être la table peut être analogique. Mais c'est des sons qu'on ne retrouve pas, je pense, aujourd'hui c'est forcément. Qu'on ne retrouve pas mais qui reviennent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est des vagues en fait. Tout à fait. C'est comme les Santiago en fait. Tout à fait. C'est un intemporel. Et Justin. Et donc pour cet album qui s'appelle Hommage. Non. Finalement, ça a changé. Il a changé. D'accord. Est-ce que je peux dire le nom? Grand sourire. Bon. On a une exclue. Okay. Attention. Il s'appelle 142. D'accord. Parce que Hommage, en fait, il n'y a pas de question qui en découle. 142, ça suscite la curiosité. C'était ma maison de quand j'étais petit, en fait. Et en fait, on avait une chambre à musique là-bas, une batterie, des guitares partout. Et c'est ces odeurs qui me manquent, ces images de l'enfance, de High Gloss, de Benson, ouais. de d'Aljaro. Et du coup, j'essaye de recréer jamais. Ça. Ça marchera jamais. Une nostalgie de cette musique qu'on aime beaucoup, en tout cas. Bien sûr. Cet album, il va sortir quand, Michael Jacob? Alors, c'est la grande question. D'abord, on sort le troisième single. D'accord. C'est très courant, ça, en ce moment. Je l'entends beaucoup, sortir un single, le deuxième, puis ensuite le troisième, et sortir l'album dans la foulée. Bah, je pareil, le sais, parce que c'est un truc qui revient, en fait. C'était, ouais. Ça se passait comme ça dans mais les oui, années c'est 80. Ça, c'est, vrai. C'est, ça. Bah, c'est pour ça qu'on fait ça, en réalité. Mais c'est très bien, parce que ça suscite, ça suscite l'intérêt, Exactement. Et puis voir comment le public rebondit pour pouvoir ensuite sortir un album, puisque c'est beaucoup d'argent, d'investissement. Exactement, début 2023. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est tout ce que je souhaite. En tout cas, c'est très, très bien. Merci beaucoup. On a beaucoup dansé, en tout cas, sur l'antenne. Cet album. Merci. Merci beaucoup, Michael Jacob, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci mille fois. Puis si vous avez un petit mot pour Daniel Lévy, que je crois que vous aimez beaucoup aussi. Ah oui, je me suis entretenu avec son épouse Sandrine, qui m'avait invité en fait pour ces deux concerts. On a beaucoup échangé. Je lui avais envoyé mon album Moonlight que j'ai écrit pour mon papa. Oui. Et en fait, elle m'avait dit que Daniel avait aimé. We on the night. Et c'est comme ça qu'on a échangé. Et puis, on n'a pas pu discuter plus parce qu'il est tombé malade. Dans la foulée. Dans la foulée. Mais on a eu un vrai échange. Et c'était. Son épouse est admirable. 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 Et en fait, avec Bruno, chez Julien Cohen, on a échangé en fait des anecdotes de d'enregistrement, et c'est fou quoi, parce que normalement les chanteurs ont fait 15 prises. Ouais. Lui, la première, ça sonnait. Pff, c'est incroyable. Il me fait écouter, ça sonnait, mais
c'était le feu, quoi. C'était incroyable. Il y avait trop de choix, en fait. Ouais, c'est ça. Une seule, ça suffisait, en fait. C'est clair. C'est incroyable. La première, c'était la bonne. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J, Michael Jacob. Et puis, on se donne rendez-vous pour le troisième single. Avec plaisir. Allez, merci c'est beaucoup. Fait. C'est merci d'avoir été avec nous. Radio J. 15h-16h30, Cyril Sarah-Cohen. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait, le portrait de Daniel Lévy avec tout ce que l'on s'est dit, vu par Sandy Boulanger. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Bonjour Sandy Boulanger. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la première fois qu'on se découvre sur l'antenne de Radio J. Et je crois que bien, on vous a servi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur Daniel. Et, et on voulait avoir un petit peu un coup de projecteur, une petite loupe en même temps sur voilà, ce qu'on peut retenir de qui était Daniel Lévy vraiment. Oui, bah, merci de me recevoir parmi vous. Et effectivement, c'est une première qui est quand même assez extraordinaire. J'ai entendu beaucoup de choses, mais j'ai envie de vous dire que j'ai aussi ressenti beaucoup de choses. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Un portrait psychologique, c'est pas seulement non plus ce qu'on a dans l'âme, mais aussi ce qu'on a dans le cœur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment vécu ça avec vous tous. Merci beaucoup, c'était très beau. Alors, je vais vous dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti. Donc, on en avait un peu parlé quand on s'est rencontrés tout à l'heure, et c'était déjà joyeux entre nous. Ouais. Et ben voilà, ce que j'ai entendu dans cette émission, c'est Daniel Lévy, c'est quelqu'un de drôle, de souriant, de blagueur, et qui a aussi de la répartie. Sa mort a été pour vous un choc, comme si c'était quelque chose d'incroyable, d'impossible. Alors bien sûr, il avait ce petit défaut, mais en fait, ça avait l'air d'être le seul. Il n'avait pas de mémoire pour les textes. Mais même dans cette situation assez épineuse, il savait toujours s'en sortir, chanter un yaourt magistral, que ce soit en français, en anglais ou peut-être d'autres langues qui n'existaient pas. Donc c'est un sens aussi du rebond qui est essentiel dans ce que j'ai entendu de sa vie. De savoir rebondir, s'adapter, s'assouplir et surtout repartir. Alors bien sûr, vous disiez que tout le monde allait dans le même sens quand vous étiez dans cette comédie musicale des 10 commandements, que c'était quelque chose d'assez exceptionnel parce que tous, vous étiez très nombreux, une centaine, et il n'y avait pas de personne dans l'ombre. Vous avez fonctionné comme ça pendant très longtemps et je crois que c'est aussi ce que j'ai envie de retenir de Daniel, c'est qu'on va toujours dans son sens. Alors bien sûr, vous disiez, Jenny, que c'était pour vous comme un frère. Ahmed a pu le dire aussi. Mmh. Et j'ai envie de dire que ce qui me paraît être vraiment une caractéristique de Daniel, c'est un être d'intimité. Et c'est un mot qui est vraiment très fort pour moi, qui suis aussi sexothérapeute, mais pas que. J'accompagne beaucoup la fin de vie à l'hôpital. L'intimité, c'est quelque chose de simple, de pudique, de généreux, d'authentique. Et j'ai envie de dire au présent, et non pas à l'imparfait, c'est Daniel Lévy. Parce que Jérôme, tout à l'heure, dans votre rubrique qui m'a beaucoup touchée, vous disiez « l'amour ne disparaît pas ». Eh bien, effectivement, c'est ce que l'on peut dire, c'est que ce que l'on emporte avec soi quand on s'en va, c'est l'amour, mais c'est surtout ce que l'on laisse de soi. Et vous avez beaucoup parlé de ça, de lui, de cette empathie, de cette générosité, mais beaucoup, il y avait ce mot « amour » que tout le monde partageait. Alors, merci d'avoir partagé tout cet amour que vous avez partagé avec lui et qui ne s'arrêtera jamais. Merci beaucoup Sandy Boulanger, c'est très joliment résumé, merci beaucoup. On vous retrouve désormais tous les lundis sur Radio J. On va finir cette émission puisque voilà c'est la fin, on doit se quitter maintenant. Merci pour cet échange, merci beaucoup Jenny Lynn. Merci Cyrielle, c'était un bonheur de vous avoir avec nous. Merci beaucoup Pablo Villafranca, on vous retrouve avec Ahmed Missi également pour le spectacle Les Retrouvailles. Oui. Et Daniel sera toujours avec nous, puisque voilà, vous le retrouverez aussi sur scène d'une certaine manière. Merci beaucoup.
Je voudrais dire un petit mot de la fin. Le mien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, mais d'avoir parlé aussi de Daniel comme vous l'avez fait, avec cette sincérité, avec aussi cette douceur et ce sourire. C'était une chose qui était importante aujourd'hui parce que ça le représente assez bien. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. On ne se quitte pas, on se donne rendez-vous demain dès 15h avec l'actrice Isabelle Carré au cinéma mercredi dans la dégustation avec Bernard Campan. Vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. À la réalisation aujourd'hui audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnault. Ce soir, ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar et ses invités à 21h, suivi du Festival Oriental d'Avenir Azoulay à 22h. À demain, une belle journée à tous sur Radio J.